Vous êtes venu accompagner la candidature de le candidat Kaboom? Non, nous avons un ticket. Ah,
vous êtes venu accompagner le ticket Union Sacrée. C'est ça l'esprit, C'est ça l'esprit. Oui, je suis. Oui, parce que j'étais en live, j'étais en direct. Et donc vous pensez qu'avec ce ticket, possible de relever les défis, possible d'accompagner le chef de l'État dans le redressement tel que voulu dans l'Union Sacrée, de l'esprit de l'Union Sacrée. Dans la suite logique de ce qui se passe, du bouleversement politique qui se passe en ce moment, maintenant la balle est dans les camps de nos députés pour la concrétisation de ce qu'ils ont commencé. Ils doivent terminer le travail qu'ils ont commencé dans l'intérêt du peuple congolais. Quand on regarde ce profil, est-ce que c'est un profil de la raison ou c'est un choix politique qui a été dicté? Je crois que c'est à vous d'analyser quand vous allez découvrir la liste. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je dois soutenir. Vous subissez ou vous avez soutenu alors? On a créé un candidat à la suite d'un long processus de discussion et de consultation au sein de l'Union Sacrée. Et donc, la liste qui sera présentée ici a le consentement de toute l'équipe engagée derrière le chef de l'État au sein de l'Union Sacrée. Merci beaucoup. C'est déjà fait. Ça va, on fait le direct. Oui, on fait le direct. Ben, papa, s'il te plaît, n'avons en photo. Oui. Namukongo Bakomini. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Vous voyez pour accompagner un candidat Kaboum? Vous voyez pour accompagner candidature à président Aïe Nabissou, Jean-Marc Kaboum. Et Salibinondeni. Et Salibinondeni, c'est mon Kassi. Bandeko Baloubaye, Balomolie, mais les autres, ils ont dit que c'est mon Kaboum. C'est au nom du peuple congolais qu'on est venu lui remettre à l'Assemblée nationale. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Ici. Il parle d'abord, je vais parce que je suis président. Qu'est-ce qui justifie votre présence? Il faut parler un peu plus fort. Il faut savoir que là où on parle du chef de l'État, là où on parle des institutions qui sont sous la responsabilité du chef de l'État, vous verrez, messieurs amis, en tant que communicateur du chef de l'État, nous y sommes. C'est pendant longtemps ils ont trompé la population congolaise. Et je crois qu'aujourd'hui, la réalité est rétablie au sein de cet hémicycle pour dire, à ce jour-là, Kaboum disait, les gens vont lâcher. Et aujourd'hui, nous avons cette effectivité de dire qu'une seule personne a fait nager tout un groupe de gens. Et maintenant, ce n'est qu'un début du processus. Kaboum est là, il est revenu plus fort encore comme avant et dans son propre poste respectif. Et donc, nous sommes très rassurés et c'est une joie parce que, autre temps, autre merci. Nous avons passé 2 ans avec les amis du FCC. Malheureusement, le président de la République a reconnu que c'était très difficile. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de matérialiser cette vision, cette volonté du chef de l'État qui veut voir un nouveau Congo parmi les Congolais. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Simba tete,
dans le Parlement des mots. Je suis à la place. 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 Il m'a donné le mandat
d'assumer les fonctions de secrétaire général. C'est à ce titre-là que j'ai beaucoup parlé au nom de l'IDPS. Puis je n'ai pas reçu le mandat de l'Union Sacrée, mais l'IDPS est un membre de l'Union Sacrée, puisque les autres vont chercher des prétextes de gauche à droite comment ils sont venus déposer. Bon abouté. La loi reconnaît les partis politiques. Il a été mis sur la liste de l'IDPS. Mais tu es nager, papa. Je viens déposer sa candidature. Mais toutefois, nous sommes de l'Union Sacrée. Bien. Quel est le message? Namoukou 16e, monsieur Tessili. Papa, je continue à transpirer. Namoukou 16e, je vais vous montrer mon siga, mon siga. Mais mingi, En tant que secrétaire général, il faut que nous ayons voté. Bon, il faut que nous ayons voté candidature. Et le mot. Azana réunion munene na bandeko na ye o ba occuper ba poste mususu na bureau bona o etikali na bana nyonso aide peso ba accompagner nga rendez-vous ngana bino wapi na permanence. On est encore ensemble. Vous avez vu le changement? Palais du peuple, vous avez vu. C'est donc là le dépôt de la candidature du candidat premier vice-président Jean-Marc Kabou à Kabou. Dernier du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et également une forte mobilisation des militants de l'UDPS qui sont venus l'accompagner pendant le dépôt de sa candidature. Il est quelle heure au Palais du Peuple? 18h17. Jean-Marc Kabou a déposé. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud? Voilà, comme ça, vous pouvez le voir. J'ai vu
vu encore quelques élus de l'UNC. L'UNC est venu accompagner le ticket. J'ai vu la FDC. J'ai vu. Alors, on va aller voir là-bas ce qui se passe. Avec les autres, on a fait du bon. On s'en direct. C'est une première dans l'histoire. Un membre du bureau destitué, le même membre du bureau revient occuper la même fonction que quand il a été destitué. Quelle est la leçon que l'on peut tirer à travers cette candidature de Jean-Marc Kabunda Kabunda? Vous savez, j'ai été son directeur de campagne quand nous sommes venus en 2018 présenter sa candidature comme candidat premier vice-président. Il a dit des phrases essentielles dans son discours de campagne, mais qui n'ont pas été bien comprises par certains. Monsieur Kabunda a dit qu'il était venu ici au Palais du Peuple pour servir la nation et qu'à chaque acte qui se poserait et qui ferait ombrage à l'intérêt du peuple, il se lèvera et défendra le peuple. Nous avons fait un très grand travail avec lui-même et toutes ses équipes qui ont collaboré pour protéger le pouvoir du peuple. Il a été incompris. Il a eu des grandes différences de vision avec l'ancien bureau qui est sorti et il a été une victime innocente d'un bureau qui n'a pas voulu le bien du peuple congolais. Il est parti, il n'a jamais voulu se justifier, mais il a pris le temps de travailler pour présenter au peuple congolais les vraies raisons de son départ et il avait promis qu'un jour il reviendra, mais par la grande porte. Aujourd'hui, le peuple congolais est témoin et le peuple a accompagné le président de la République. Dans la vision de l'Union sacrée, le chef de l'État a fait confiance à Jean-Marc Kabunda. Il lui a confié la coordination de la task force, qui est la coordination technique, la cellule technique de stratégie et de coordination des députés nationaux membres de l'Union sacrée. Dans cette coordination, ensemble avec ses collègues députés, ils ont fait un très grand travail. Des adhésions pour la première pétition qui a fait tomber le bureau Mabunda, d'autres adhésions pour faire tomber le Premier ministre et son gouvernement. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale a 391 députés membres de l'Union sacrée qui apportent clairement une vraie majorité au président de la République. Et nous venons de quitter le Kempinski Hotel. Tout de suite, on en vient. Où il y avait une grande réunion de stratégie et de décision qui devait rassembler tous les fils de l'Union sacrée. Les propositions qui sont venues de la task force ont été présentées à tous les présidents des partis politiques et des regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Tous se sont rassemblés et Jean-Marc Kabunda a présenté et défendu les propositions de la task force. Après tous les débats, en présence du président Mbosso qui a coordonné, en présence de l'informateur, le président Bahati Lukwebo, tous les présidents des regroupements politiques et tous les présidents des partis politiques de l'Union sacrée ont émis des aveux et des vœux plutôt et ils ont sorti une liste qui constitue le ticket de l'Union sacrée qui vient d'être présenté avec tous les membres dont les listes sont connues. Vous savez le président Mbosso qui est à la tête, vous avez Jean-Marc Kabunda à la première vice-présidence, vous avez l'AFDC qui a pris la deuxième vice-présidence, vous avez l'ensemble qui a pris le poste des rapporteurs et tous les restes qui sont publics. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'annoncer au peuple congolais que la véritable majorité de 391 députés qui constituent la majorité de l'Union sacrée du président Félix Tshisekedi de l'Assemblée nationale vient de déposer officiellement
le ticket de ces candidats au bureau de l'Assemblée nationale. Le rendez-vous est pris pour le 3 février, où nous viendrons pour concrétiser les membres de l'Union sacrée qui vont faire partie du bureau de l'Assemblée nationale, et nous allons travailler pour le reste. Vive le Congo, vive la RDC, vive Fatshi, vive l'Union sacrée. On est ensemble, l'Union sacrée. L'Union sacrée. Mais ici, les camarades président Ahi Kaboun, il a été malhonnêtement déchu. En fait, c'était de manière injuste. On ne pouvait pas le mettre de côté. Par reconnaissance, par gratitude, nous avons estimé un verrier de les proposer comme candidat. Il revient maintenant aujourd'hui de sanctionner si les choix des PS et les choix judiciaires. Mais du moins, nous pensons que les élus vont attirer et sont attirés par l'UDPS. Parce que nous connaissons les enfants de l'UDPS, nous connaissons tous. Ici, nous pensons que la personne des Gaboun répond à toutes les exigences que nous avions eu à soumettre à l'appréciation de tout le monde. Et tout le monde avait adhéré à ces exigences et Gaboun y a répondu. Mais du moins, nous avons demandé au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'arrêta. Et nous lui avons encore demandé de continuer son bon chemin. Et nous sommes là. Pourquoi ça?
Réaction par rapport au dépôt aujourd'hui de votre président Jean-Marc Cabonde. Oui, président Jean-Marc Cabonde, je peux dire il mérite pour les comptes du parti. Et l'étiquette d'aujourd'hui, l'Union Sacrée, c'est un ticket gagnant. Il n'y a pas moyen de discuter avec d'autres personnes qui vont déposer leur candidature. Et ils seront surpris les jours des élections. Parce que le président Jean-Marc, vous savez, le travail qu'il a battu. Alors il continue toujours à faire l'honneur pour les partis. Et nous, comme cadre du parti et puis membre du parti, nous sommes là pour l'accompagner. Pourquoi pas vous? Bon, moi, je ne suis pas député national. Ah, ok, merci. Merci beaucoup, madame. Mais la question aussi, comme elle a dit tout à l'heure, c'est au sein de l'UDPS, on sait que c'est une première aussi dans l'histoire, destitué en tant que premier vice-président, candidat encore premier vice-président. Il n'y a pas assez... Bon, les premiers qui est là avec le président Jean-Marc, c'est monsieur qui nous a surpris parce que le poste du premier vice-président de l'Assemblée, on ne peut pas confier à n'importe qui. Nous devons placer quelqu'un qui maîtrise d'abord la situation politique et qui a mesure de faire face à toutes les attaques possibles. Alors, le peuple a confiance au président Jean-Marc, même le parti aussi. Merci beaucoup. Mais vous avez mon numéro. Oui, j'ai toujours ton numéro, Marie, je t'appelle toujours pas. Ah. Donc ça, on est le bon à boire. Voilà. Donc c'est par là. En attendant le dépôt de candidature du candidat président Mosso Kodia Kwanga. À tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Non, qu'attendez ni. Maman Zouba nous a été maître. Oui. Je sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Ozana Lilobani ya Roba. Tu le banan obu. Ba Congolais nyoso ba yo kabisa. Na Kananga, na ba Congo, na Bandundu, na province orientale. Oye salami lelo ezani. Oye salami lelo eza dépôt à candidature. Le président Jean-Marc Kabunda qui a déposé candidature naïe na comme étant membre à bureau, la poste à premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors, là qu'on a l'ingana et puisque quand un peuple congolais qui non, oh et ça a mis les lots, ils ont et là qu'on m'a pu amacasser pourquoi parce que président Jean-Marc tellement que peuple a perçu et confiance en moi. Parce qu'on a Bitoumbana, surtout au Tchouko, les Kalango, ah ouais, vous voyez bien, très bien. Alors, Bitoumbana a commis un outil, un souka, et le lot, de comme matérialiser en gros, l'élection, monsieur ce bandit, parce qu'on était pourquoi il s'est un bureau, on était pour ah ouais, madame la présidente, j'ai mis ma bande, je vois, ah ouais, ok, il y a un bureau, monsieur. Mais on a vraiment besoin de faire une marque parce que c'est pour la candidature et ça les mots de l'eau. Et c'est un peu plus de l'économie. Et donc, le président Jean-Marc n'a pas le choix pour défendre toujours le peuple congolais. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Tu es maître de la ligne à paix TV1. La ligne à paix TV1. Non, la FIC est chou. La FIC est chou. Alinga Pet et Vetti. Victoire, finalement. Je suis